Nous, les hommes, nous sommes tous des aventuriers sur le chemin de la découverte. Alors, ne soyez pas prisonniers de la routine. Ouvrez les yeux. Saisissez chaque opportunité. Soyez fiers si par vos actes, des plus discrets ou plus fous, vous avez cassé les codes. Salut à tous, c'est Miri401, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Warhammer 40 000 Dawn of Dark Crusade. Et comme d'habitude, je vous invite à aller voir la vidéo gameplay, si vous avez des questions par rapport au gameplay, parce que je n'y reviendrai pas. Pour trouver cette vidéo, vous allez dans la playlist de Warhammer 40 000 Dawn of Dark Crusade, ou dans la playlist de Warhammer 40 000 Dawn of 1, ou tout simplement vous cherchez sur la chaîne. Voilà, c'est une vidéo qui a été faite exprès pour répondre à toutes vos questions. Savoir qu'entre les opus, pour le moment, il n'y a pas eu de changement de gameplay, voilà. Alors, hop, on va... Alors, en fait, on va pas attaquer les pics d'Hyperion, on le fera vers la fin, simplement parce qu'il faut énormément de ressources militaires, et ça ne passe pas pour moi en tout cas, donc j'en suis désolé. Donc on va tout simplement attaquer les hautes terres d'Ariel, et en plus, si on réussit à gagner, en plus c'est des ordres, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Et si on gagne, on va récupérer Rempart, qui en gros diminue le coût des unités mises en réserve sur les zones contrôlées. Voilà. Puis qui redonne plus de réquisitions quand on les retire des zones, tout simplement. Voilà. Donc, alors attendez, je regarde juste deux petites secondes. Un peu le... En fait, il n'y a pas grand-chose, quoi. Bon, c'est pas grave, on va faire ça rapidement. Alors, donc oui, on attaque, hop, c'est parti, hop, je reprends mon petit archiviste, et on attaque. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de problème de son, apparemment vous ne m'en parlez pas souvent, mais j'essaye de régler au mieux le son à chaque épisode, malheureusement, vu que j'utilise Fraps, c'est un peu plus compliqué que ça, donc je vais faire de mon mieux, tout simplement. En gros, il n'y a pas de... On peut pas diviser les bandes son et tout. En tout cas, j'ai pas encore trouvé, ce qui est un peu compliqué. Vous en conviendrez. Enfin bon, tout ce qui est problème technique ne vous regarde pas en principe. Hein. Je fais que la remarque au final. Alors, on va prendre nos petits points. Donc on va prendre celui-là. C'est pas une map très tip top. On va prendre là. Hop. Hop. Voilà. On produit un autre constructeur et un autre comme ça. Ouais, bon, en fait, on peut pas faire autre chose, donc bon, on va faire avec. Hop, tu t'en sors, toi? Ouais, nickel. Très bien, hop. Vous voyez, franchement, rien de... Comme d'habitude, le début est toujours le même. Hein. J'avoue que je ne me casse pas du tout le cul. Hein. Enfin, là, je plussois tout à fait. Je plussois, légère. Voilà, nickel. Hop. Et vous allez prendre ces points-là. Donc on produit voilà justement un truc comme ça, voilà, donc une escouade tactique si je me trompe pas. Ouais bon, normalement c'est les escouades tactiques, parce que les escouades tactiques sont celles qui ont le moins d'équipement au départ. Bon, et après ça se spécialise seulement. Bon, ma foi, ça a l'air de plutôt bien aller. Ouais, ça va bientôt sortir. J'ai assez pour payer le deuxième. Ouais, nickel. Par contre j'ai pas avoir assez pour payer la deuxième truc d'énergie. Donc en fait, tu vas me bâtir ça tout de suite, voilà. Nickel, voilà. Donc vous voyez, franchement, je le répète toujours, rien de compliqué pour nous, loin de là. Alors, hop, on va faire ça. Alors normalement, ouais, il va me sortir mon deuxième lot. Voilà, exactement. Toi, je peux pas t'affilier à un autre, donc on va t'affilier à celui-là. Et t'as pris l'objectif, hop, c'est nickel, tu le prends. Toi, tu l'as pris, c'est nickel, tu le prends aussi, voilà. Voilà, donc. On a une escouade à peu près potable pour le moment. Donc on va déjà commencer à partir à la recherche, tout simplement, de l'ennemi. Puisqu'après tout, nous sommes des méchants Space Marines. Hein, hein. Et on doit, bah, tout simplement, nettoyer tout le truc. Tout simplement. Hop. Par contre, ça me fait un peu flipper, parce que si l'IA se pointe et que j'ai pas de défense, ça va être marrant. Mais bon, étant donné que c'est des orques, normalement, on devrait pas avoir trop de mauvaises surprises. Alors, hop. Par ici. Voilà. Exactement. T'as pris le point. C'est nickel, Rufus. T'as pas encore eu des squats. Hop, je vais peut-être pouvoir sortir la dernière escouade à la limite. Bientôt. Attends, hop. Voilà. Nickel.
Donc, comme ça, on aura ça de fait. J'allais pas toujours au moins du boulot à payer. Allez, vas-y, mon coco. Alors oui, on me le demande souvent. Pour le moment, je n'ai pas prévu de faire de nouvelles séries sur Warhammer 40 000 après ce Let's Play. Simplement parce que normalement, il devrait y avoir à peu près... si je me suis pas trompé, il va y avoir au moins 25 épisodes, voire plus, étant donné que vu qu'elle est aussi les histoires de défense et tout, c'est un peu plus compliqué. Il est probable que vous n'ayez pas de Warhammer avant bon moment, mais néanmoins vous aurez des jeux Relic à voir par la suite, dont les Company of Heroes évidemment, que j'apprécie énormément, en tout cas le Company of Heroes 1. Donc le 2 je l'ai, mais je l'ai pas lancé, je crois, même non, je l'ai pas du tout lancé encore. Donc voilà, vous avez un peu une idée malgré tout du fait que vous aurez des jeux reliques. Donc c'est nickel, hop, toutes les escouades sont là, au boulot. Donc avec de la chance, on a deux ou pas. Est-ce qu'on peut considérer ça comme de la chance? Je sais pas trop, mais en principe, on doit avoir deux ennemis orcs sur la map. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit moment de trou de mémoire. Hop, hein, oui, comme ça, bien. Toi, dès que t'as fini, tu me fais l'arsenal. Hop. C'est ça, ici en plus. Hop. Hop, tu fais ça, et après seulement tira là. Voilà, nickel. Tu vas quand tu veux. Et là, c'est pas du tout sûr qu'on tombe dessus. Donc si c'est pas là, c'est là. En gros, vous avez bien compris, il n'y a pas de... trop de problèmes à avoir. Bon, oui, donc seigneur. Personne ici. Hop, on va par là. De nos ennemis que nous tirerons notre salut. Donc, s'il y a rien ici, on va aller là. Ouais. Oui, ah bah tiens, toi t'es cool. Hop, donc on continue à faire nos petits avant-postes adorés. Très bien. Hop. Infiltration en terrain ennemi. Vous prenez ça. Alors. Ok, donc ici, il a bientôt fini. Ici, on peut lancer l'évolution tout de suite. Par précaution, on lance, voilà, une petite escouade de Space Marines en réserve dans la base. Hop, et hop, voilà. Au final, tu vas aller par là, toi. J'ai besoin de toi, là-bas. Hop. Mais c'est un peu inquiétant, là, parce que, qu'il n'y a pas un seul orc dans le... Ah, si, il y a eu du... Attendez, il y a eu quelque chose. Ah oui. Ok, donc comme je m'en doutais. Bon, donc il est possible qu'il soit vers où je vais, ce qui m'arrangerait. Mais on sait jamais. Donc, c'est parfaitement que le. L'IA fait pas toujours ce qu'on espère, malheureusement. Mais j'ai eu de la chance pour le coup. Hop, tuez-moi tout ça. Allez, vite, vite, vite. Ça va, vous avancez là? Allez, hop, essayez. Voilà, hop! Bon, il y a des saletés, hop, voilà. Voilà, j'adore quand ça finit comme ça. C'est mon passe-temps favori. Voir des petits orques à la noix crever. Non, évidemment, je rigole. Et donc, comme l'épisode précédent, par contre, c'est une vidéo par bataille, évidemment. Hein. Alors, ok, donc on a vu qu'on a bâti l'arsenal, on a tout le matos de débloqué. Hop. Une, deux. Ah, j'ai pas assez. Voilà, hop. Voilà, allez hop, par ici. Notre salut. Par l'empereur. C'est très bien, toi, hop. Routine de construction, voilà. Oui, seigneur. Ah mince, j'ai même pas assez pour payer. Hein. Voilà, j'ai même pas payé un officier maintenant. Oui, voilà. Allez quand vous voulez, allez hop. Voilà, allez hop, vous êtes tous morts. Et je suis content. Explosez-moi ça. Par contre, ça c'est un peu dégueulasse, ils avaient un truc d'énergie et tout. Ah non, d'accord. D'accord, je croyais que c'était vraiment un truc d'énergie, en fait pas du tout. Hop, le deuxième. Il me faut... Ok, donc j'ai assez. Nickel. Allez hop. Tout le monde là-dessus. On fait du ménage.
le tout proprement. Bon, voilà, nickel. Donc on a un joueur de tuer, et comme je le pensais, ils sont deux sur la map. Donc, hop. Voilà. Et vu que ça fait ça, nous, on lance ça au passage. Voilà. Ok, donc voilà. Franchement, là, rien de très très difficile. En plus, c'est des orques, comme je le dis. Donc, peace and love, c'est pas les pires qu'on aurait pu avoir sur le dos. Contrairement au Nécron, justement, comme vous avez pu le remarquer, que je hais par-dessus tout. Allez, hop, donc, nickel. Là, j'ai pas assez encore. Voilà, maintenant j'ai assez. Et puis, tu reviens là. Voilà. C'est cool, je m'en fous de la relique. Hein. Là, pour le coup, j'avoue que... Voilà. C'est pas mon truc. Je m'en fous. Bla 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 bla. Allez, hop. Et zut, j'en ai déjà un qui a claqué. Voilà, allez hop. Ne craignez pas le Psyker. Nickel. Bon, là, de toute façon, en gros, nos Space Marines sont bah, des unités totalement incroyables, quoi. Alors ça, par contre, c'est pas cool, voilà. Donc ça, c'est les tracks, c'est des saletés. Parce qu'en gros, ça, bah, ça fait super mal, justement, sur tout ce qui est lourd. Et vu que les Space Marines sont des unités lourdes, bah on le sent passer. Ah, ici il y en a un, ok. Alors c'est pas un big boss en fait, ça c'est un truc bizarre, j'ai pas trop compris le principe en fait. Voilà, hop. Hop. Allez, vite, vite, vite. Oh là là, ça ressemble à rien. Bon, de toute façon, c'est les orques, hein. Maintenant on est habitué. Allez, hop. Voilà. Bon, normalement, il devrait plus avoir de véhicules qui nous posent beaucoup de soucis. Ce qui est plutôt positif en soi. Alors. Ouf, allez, hop, pour s'occuper, on va faire ça. Voilà. Oui, donc, vu qu'il est probable qu'on retourne sur cette map, hop. J'améliore tout ça au max. J'ai pas assez de quoi, là. D'énergie. Oh, merde. Pourtant, ah oui, non, c'est vrai, je fais pas l'amélioration d'énergie. M'étonnez que ça va pas après. Bon, allez, hop. Oui, Seigneur. C'est de la destruction de nos ennemis que nous tirerons notre salut. Ouais, donc en fait, on pourra pas tout améliorer. Parce que vu que le Nécron est pas loin, je me dis, on sait jamais, quoi. Hop. Allez, hop. On attaque ça. Vite, 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 vite. Allez, allez, allez. Hop, hop, hop. Nickel. Tout le monde sur ça. Tac. Voilà. Ok, il y avait un truc bizarre là. J'ai pas trop fait gaffe ce que c'était. Voilà. Donc, vous voyez, franchement, bataille extrêmement courte. Hein. Nickel, clair, net, précis. On peut pas faire plus efficace. Hop, et en plus comme ça on a quasiment supprimé les orques du monde, il y a juste un truc, mais vu qu'il y a plus de... Vu qu'on a annihilé le point d'origine, en fait là leur forteresse, ils peuvent plus jamais revenir sur la planète. C'est plutôt cool et ça règle pas mal de problèmes en fait. Donc ma foi, on va pas trop se plaindre. Alors, hop hop. Voilà, et normalement, voilà, on a fini, c'est nickel. Et donc, on a gagné Rempart. Voilà, ça c'est cool. Voilà, et on a fini en fait l'épisode. Donc, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai eu cette bonne chance et bon jeu à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker, Facebook, Twitter, lacompagniemyrienne.com. Enfin, vous savez de toute façon tout ça, tout est dans la description de la vidéo et dans la page à propos de la chaîne. Je vous rappelle aussi que les live streams ont repris le vendredi de 21h à 22h30 minimum. Donc à savoir ça peut aller jusque minuit, et donc voilà, donc je dis et donc ça par contre c'est Twitch et c'est dans la description de la vidéo aussi, voilà, donc bonne chance à tous et à la prochaine.